des nachos avec des fried beans juste en dessous. J'allais oublier, je me suis emportée. On mange aussi des quesadillas au fromage avec de la guacamole et de la salsa. Bon matin Denver! Ce matin, on se sépare deux plats. Le breakfast burrito avec des œufs et une crêpe Tex-Mex. Ça va être fou! Regardez ça comme ça, pas de bon sens! Petite salade ranch en entrée pour mon repas principal. En plat principal, je mange des raviolis parmigiana. Ça a l'air trop bon. On est dans un petit pub à Frisco au milieu des rocheuses. Puis on s'est pris un mac and cheese. Incroyable. Ça a pas de bon sens. C'était comme pimp ton mac and cheese. Ouais, ça, c'est nos choix d'ingrédients. C'est des black beans avec des tomates black beans, et des tomates, oignons. Ça va être fou dans la tête. Jesus! Bon app. Fait que pour déjeuner, on s'est arrêté dans une épicerie finalement, puis on a pris un mélange de noix. On s'est pris aussi des fruits, on s'est pris des bananes, on s'est pris des fraises, des raisins aussi, puis des petits pois chiches épicés à saveur indienne. C'est super bon pour vrai. Fait que ça va être ça pour ce matin. Ce midi, on mange un McDo breakfast all day. Fait que un genre de petit McMuffin sans viande avec une patate et un nice coffee parce que hein, la route et la chaleur, c'est nécessaire. Pour souper, je mange un bol de crème de... Vraiment, c'est du fromage fondu pratiquement avec un peu de brocoli dedans. C'est très bon, très bon. Et comme repas principal, on mange un déjeuner. En fait, on s'est splitté un breakfast burrito et un bagel œuf avocat. Puis dans le breakfast burrito, il y avait genre infini champignons, olives noires, puis c'est vraiment pas dans ma palette. Encore une fois, un gigantesque burrito du Chipotle! Ce soir, on se gâte. Je mange une salade. Je me rappelle plus c'est quoi, en fait, mais il y a des pois chiches, c'est great. Avec infinie patate écrasée au fromage, avec de la roquette. Puis Fred? J'ai un seul mot pour tout ce festin. What a wow! Alors ce matin, j'ai oublié de vous filmer notre déjeuner, mais on s'est pris un petit muffin au son to go à l'hôtel avant de partir. Puis là, on s'est arrêté, puis on mange du grec, une salade au falafel. Ça a l'air trop bon. Ce soir, on mange du Taco Bell. J'ai pris un truc crunchy, ça va l'air nice. Puis... Regardez ça! Ah oui, lui, il a pris un taco avec une chèvre de Doritos. Exact. C'est fou. Les des folies. Puis évidemment, tout ça est aux beans. Alors, on s'est pris une salade Cobb vegan à partager. Puis elle a l'air beaucoup trop bonne. Beaucoup trop bonne. Ce matin, petit déjeuner à la mexicaine. C'est donc un œuf brouillé avec sauce... du riz, des beans, de la guaca, ça a l'air trop bon. Alors nous sommes à Bitcoin et je mange un veggie wrap qui a des beans dedans puis plein de légumes et du quinoa. Très bon. Ce matin, je mange un petit yogourt aux fraises avec du granola dedans. Ça fait du bien de manger moins lourd. Je mange un grilled cheese avec des frites ce midi. Ce soir, je mange des aubergines parmigiana en croûte de parmesan, puis des pâtes au pesto. Ça a l'air trop bon. Pis c'est vrai que c'est vraiment énorme, pour vrai, tu sais, genre, je sais pas comment vous montrer. On dirait 4 boulettes de bière. Regardez ma main à côté, genre. Mon lunch pour ce matin, étant donné que je me suis levée tard, ça va être un sandwich aux œufs, un ficello et une banane. Ce soir, je mange une salade de kale et quinoa avec une petite blue moon. Vraiment pas si petite en fait, je vous niaise. Ce matin, je mange une protein box. Donc des raisins, un œuf cuit dur, du fromage, des amandes. Ça a l'air full bon, c'est fresh. Ce soir, je mange une salade guacamole californienne. Ça a l'air full bon. Bon matin, j'ai oublié de vous filmer ce que je mangeais, j'avais trop faim. J'ai mangé 2 œufs cuits durs, petit fromage, petit biscuit. Voilà. Ce midi, je mange de la jambalaya aux légumes avec un petit side de légumes. J'avais envie de légumes, vous voyez. On s'est pris un float à l'ananas. Il paraît que ça vaut vraiment la peine. Ce soir, je mange des enchiladas aux 3 fromages, du riz mexicain et des légumes. Puis une petite salade. Petit snack de fin de soirée. On a une pizza margherita tout droit de Napoli.
du mac and cheese puis un petit verre de vin. Tu vas le vin, t'as pas le tube, tu vas le vin! Je sais un petit verre de vin! Ce matin, je mange une omelette aux légumes avec des hash browns puis des toasts au pain très très blanc. Fred a eu la meilleure idée pendant qu'on traverse le désert, c'est acheter du Dairy Queen! Banana split, la gang! Ce soir, je mange une salade de thaï et une chaudrée de maïs. Super bon! Vive le restaurant qui s'appelle Camille! Petit déjeuner à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Je mange des œufs bénédictines florentines avec des tomates. Puis ça, c'est juste à l'air d'une genre de compote de pommes à l'ancienne. Notre entrée ce soir, c'est des egg rolls à l'avocat. Ouais, full nice! Mon entrée pour souper, une petite salade feta, légumes, truc. J'arrête pas d'oublier qu'il faut que je filme mes plats. Je les défais toutes avant de les manger, avant de vous filmer. Ce soir, je mange des fettuccini aux tomates, là, des genres de linguini fettuccini aux tomates avec un petit peu de parmesan dedans. On s'est arrêté dans un burrito stop, hein, comme le nom le dit. On s'est pris des chips avec de la guacamole, puis deux burritos, deux sortes différentes là, qu'on va séparer. Yep. Je mange encore du Cheesecake Factory, encore la salade de kale et quinoa est super super bonne, puis je vais aller picosser dans l'assiette à Fred, qui est encore une chose qu'on a déjà mangé, c'est la salade vegan Cobb, trop trop bonne. Pour terminer le repas en beauté, on s'est pris un petit cheesecake parce que toutes les autres fois qu'on était venu ici, on n'avait pas assez faim parce que nos assiettes étaient trop grosses, mais là comme on s'est pris de la salade, on se gâte. On a skippé le déjeuner. Parce qu'on avait des vidéos à publier, fait qu'on est allé. J'ai mangé une pêche, c'est vrai. Alors, directement au dîner, j'ai des fusillés aux légumes avec une sauce crémeuse, du parmesan, c'est full bon. Et en side, pour un peu plus de protéines, une salade de lentilles qui a vraiment l'air de rien. Honnêtement, ça a vraiment l'air de vraiment rien, mais c'est full plein de goût. C'est genre une petite sauce au citron, je pense. Super bon. Je mange encore un burrito de chipotle parce que c'est trop bon! Ce matin, on mange un petit déjeuner de l'hôtel, hein, très fancy, des toasts avec de la gelée de fruits, des oranges, puis un petit café. Ce midi, je mange de la pizza qui aurait pu être vraiment bonne, mais qui est vraiment pas bonne parce que elle a oublié de mettre mon fromage. Fred, sa pizza est trop bonne, elle est full bien cuite. Sublime. Moi, genre, il a fallu que je rajoute tout ce qu'il y avait sur la table pour que ça goûte. Excellent repas de ce soir dans un British pub, un veggie burger avec des frites et de la guacamole épicée, ça va être fou. Petit déjeuner ce matin, je mange une omelette à la grecque avec du feta, des tomates, des poivrons, puis des fruits. J'ai pas beaucoup parlé des choses que je buvais, mais une chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert pendant le road trip, c'est les thés glacés à la mangue. Je pense que c'est thé noir et mangue du Starbucks, là. Full bon pour vrai, full bon. Ce matin, je mange des œufs bénédictines à l'avocat avec des patates qui ont l'air ben trop bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Vive le Sneaky D's!